à toutes, bienvenue sur la chaîne Lali Lila Tarot. Je suis très ravie de vous retrouver, j'espère que vous avez passé un excellent mois de juin. Voici votre nouveau taroscope général du mois de juillet pour vous mes amis vierges et ascendants vierges. Alors avant de commencer l'interprétation de votre tirage, je tenais à vous remercier pour tous vos messages d'encouragement et de soutien. Mille merci encore à vous tous. Alors si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez me contacter sur mon site. Vous avez le lien sous la vidéo dans la barre de description et vous avez également le i qui s'affiche. Vous pouvez également télécharger gratuitement l'horoscope 2017 pour chaque signe astrologique. Vous avez le lien sous la vidéo dans la barre de description. Et vous pouvez également rejoindre le club privé Lali Lila Tarot pour profiter davantage afin de me consulter en privé. Allez, cette fois-ci, nous commençons l'interprétation de ce nouveau taroscope du mois de juillet pour les Vierges ascendants Vierges. Alors, que vous réserve ce mois? Quelles sont les énergies pour vous? Nous avons placé en positif la lame, le pape que voici. Vous seriez protégé durant ce mois de juillet. Ça pourrait parler de recevoir des conseils bien sentis d'une personne sage, d'expérience, et qu'il serait judicieux de suivre. J'ai vraiment ce ressenti que vous ne serez pas seul durant ce mois de juillet. Ça pourrait parler de trouver un accord, ça pourrait parler de réconciliation pour certains d'entre vous, ça pourrait parler de signer un contrat professionnel, de signer un contrat qui pourrait officialiser une situation. Donc il est vrai que ça pourrait parler d'officialiser une union, donc ça pourrait parler de mariage ou de pacte, pourquoi pas pour certains d'entre vous. J'ai le ressenti qu'un accord pourrait vous permettre de reprendre le contrôle de votre situation. J'ai ce ressenti que des discussions pourraient vous apporter un équilibre émotionnel ou matériel. Donc vous allez devoir rétablir un équilibre grâce à des échanges, grâce à une communication bienveillante. Et ça pourrait parler également d'être plus attentif aux personnes qui vous entourent. En tout cas, le tarot de Marseille vous y encourage. Alors face à la lame, le pape, nous avons la lame, le chariot placé en négatif et qui pourrait parler de blocage, de contretemps par rapport à l'évolution d'une situation bien précise. Ça pourrait parler également de problématiques par rapport à un déplacement qui pourrait être un déplacement professionnel. Ça pourrait parler également de vacances. Vos vacances pourraient être retardées. J'ai ce ressenti également que certains d'entre vous manqueraient d'énergie et manqueraient de détermination pour aller de l'avant. J'ai ce ressenti que votre situation, quelle qu'elle soit, pourrait être bloqué. Et je ressens votre envie d'évolution, votre envie de reprendre le contrôle de votre situation, quelle qu'elle soit. Cependant, vous allez devoir vous heurter à des obstacles durant ce mois de juillet. Alors au-dessus, en vibration, nous avons une carte magnifique, surtout associée avec la lame, le soleil. J'y reviendrai tout à l'heure. Nous avons deux cartes lumineuses, deux cartes qui illuminent l'ensemble de ce tirage et qui vous dit de ne pas désespérer face à d'éventuels obstacles qui pourraient se présenter à vous. Il y aura bien une évolution de votre situation, quelle qu'elle soit, que ce soit une évolution sentimentale, professionnelle ou financière. Il y a de fortes chances que vos aspirations, que vos rêves se réalisent. Vous avez votre bonne étoile au-dessus qui veille sur vous et qui va vous accompagner durant tout le long de ce mois de juillet. C'est également la carte de l'amitié, donc surtout, ne vous isolez pas, ne restez pas seul, entourez-vous de vos proches, entourez-vous d'un personnage ou de personnes sages d'expérience qui pourraient vous conseiller, qui pourraient vous guider dans la voie à emprunter. J'ai ce ressenti que certains d'entre vous pourraient être désorientés ou pourraient être bloqués par rapport à leur situation. Surtout, ne désespérez pas, ne vous découragez pas, utilisez votre force, votre détermination et votre esprit téméraire pour vaincre l'adversité. Certains d'entre vous pourraient également se créer de nouvelles opportunités, car ça pourrait parler de nouvelles opportunités qui pourraient se présenter à vous. Donc surtout, patience, restez confiant et optimiste. Alors en résultante, nous avons une carte très positive et qui parle justement d'optimisme. Et nous avons ce soleil qui va irradier votre vie ou un aspect de votre vie durant ce mois de juillet. Ça parle
De révélation, ça pourrait parler également de prise de conscience par rapport à une situation qui pourrait vous sembler confuse. Ça pourrait parler de travailler en équipe, de vous associer, de partenariat au niveau professionnel. Ça pourrait parler de retrouver une certaine complicité avec vos proches, avec votre partenaire si vous êtes en couple. Ça pourrait parler de réconciliation pour certains d'entre vous, surtout associé avec la lame, le pape. J'ai le ressenti que vous pourriez officialiser une union au cours de ce mois de juillet, car ça pourrait parler d'une rencontre, d'un potentiel de rencontre durable et constructive au niveau sentimental. Et ça pourrait parler également d'échanges, de communication qui pourraient être très importants durant ce mois de juillet. J'ai vraiment ce ressenti que certains d'entre vous vont retrouver une attitude très positive et vont retrouver un certain optimisme par rapport à leur situation, quelle qu'elle soit. Alors, je vais rajouter une autre lame du tarot des anges de Dorine Virtue pour vous transmettre un message supplémentaire pour vous, mes amis vierges et ascendants vierges. Alors, avec la lame le pape, ça pourrait parler également d'envisager la signature d'un bail. Certains d'entre vous pourraient envisager justement un déménagement. Et ces déménagements pourraient être retardés avec la lame le chariot placée en négatif. Mais on me dit que vous ne devez pas vous décourager, vous ne devez pas désespérer car il y a une issue plutôt positive. Ah, j'ai une carte qui est sortie du jeu et nous avons la lame, l'empereur que voici, qui parle de stabilité. En plus, c'est une lame majeure, donc son message est très fort pour vous. Je vous lis justement le message de la carte. Organisation et logique, structure et discipline, leadership. Effectivement, j'ai ce ressenti que vous allez retrouver un certain charisme. J'ai ce ressenti également que vous allez réussir à enfin stabiliser votre situation, quelle qu'elle soit. Ça pourrait parler d'une situation professionnelle. J'ai ce ressenti que vous allez reprendre le contrôle de celle-ci et que vous allez pouvoir passer à l'action, car ça parle d'agir, ça parle également de régner sur votre vie ou sur un aspect de votre vie tel l'empereur règne sur sa vie. Ça parle également de prise de contrôle, ça parle de faire preuve d'autorité. J'ai vraiment ce ressenti que certains d'entre vous vont retrouver une stabilité, une sécurité émotionnelle. Et ça pourrait parler d'un personnage autour de vous qui pourrait vous soutenir par rapport à un projet que vous souhaiteriez concrétiser. Car ça parle de concrétisation, ça parle de mise en place d'une situation ou d'un projet qui vous tient à cœur. Et j'ai ce ressenti également qu'au niveau sentimental, vous pourriez faire une rencontre très prometteuse pour la suite. Donc il est très important de ne pas vous décourager. Vous avez votre bonne étoile qui est présente, qui est à vos côtés. Donc surtout, restez confiant et restez optimiste. Voilà mes amis vierges et ascendants vierges, j'espère que ce nouveau tirage pour ce mois de juillet vous a plu. Merci de l'avoir visionné, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Je vous souhaite un excellent mois de juillet si vous partez, d'excellentes vacances et j'espère vous retrouver le mois prochain. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!